J'avais un petit problème avec la perforatrice. J'ai mis WD-40, donc c'est un dégrippant. Supprime les grincements, chasse l'humidité, nettoie et protège. Dégrippe les pièces rouillées, desserre les mécanismes coincés. Donc je m'en suis servi pour la machine à coudre. Plus de problème. Donc plus de problème. Donc avant, je m'étais amusée à découper des ronds, mais voilà, hein, là, vous voyez que c'est pas assez esquinté. Donc j'ai œuvré, voilà, là c'est esquinté, là où il y a le ici. Là, j'ai dû recouper au ciseau. Là. Et puis celle-là, bah, c'est esquinté là sur le dessus. Donc, je vais vous baisser sur mes mains et sur mes images. Voilà, moi j'avais imprimé des images vintage. Donc ce que je fais, c'est que je mets à l'envers pour voir où j'en suis, qu'est-ce que je veux mettre, qu'est-ce que je veux pas mettre. Là c'est pas mal. Donc c'est plutôt centré. Voilà. Vous voyez, ça marche parfaitement. Mais là, on voit qu'il y a l'huile. Donc, je la laisse pas longtemps. Zut. Voilà, il y a un peu d'huile, mais bon. Ça va passer. Donc voilà. Bon, elle écoute bien. Je suis désolée, mais je reprends la vidéo où elle s'était arrêtée. Donc voilà, elle découpe parfaitement maintenant. Voilà. Donc, vous voyez, aucune déchirure. Nickel. Donc, j'en ai d'autres. Là, j'aime bien. Donc, voilà. Ah oui, c'est vrai que j'ai enlevé le... Voilà. J'ai enlevé la protection pour que s'il y a encore du liquide dedans, ça coule sur le mouchoir. Parce que vous voyez là, il y a, je vais vous montrer, il y a de l'huile. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais attention et que je l'enlève tout de suite parce que bah là, il y a une tache d'huile. Voyez peut-être pas, et moi je la vois. D'huile là aussi, bon, ça va peut-être partir, hein. Sur celle-là il y en avait plein. Et puis en plus de ça il y a un bins. Voilà. Voilà, je me suis amusée à faire quelques ronds pour coller sur des cartes. Et ça, j'avais une idée.
Attendez. Si j'y arrive. Je vais y arriver. Donc ça, c'est mon idée première. Et là, pourquoi pas mettre une pomme de pin. Je crois que je vais mettre celle-ci. Dès que je regarde. Celle-ci ou celle-ci? J'aime bien celle-ci. Donc, on va juste centrer la pomme de pin. Voilà. Comme ceci, comme cela. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est du double face. Et que normalement, ça s'enlève correctement. Encore faut-il avoir des ongles. Voilà, costaud. Pour pouvoir l'attraper comme il faut. Voilà. Donc, je le centre. Voilà. Donc ça nous fait quelque chose de sympa. Ah oh oui, je suis encore dans l'esprit de Noël. Bon, ça va. Ça va, ça va. J'ai dit que j'en ferais plus, mais je suis dans l'esprit. Hein. Donc là. Je le colorerai. Tout comme ceci. Voilà, comme ceci. Sur sa glisse. Voilà. Plus rapproché possible pour imiter bien la branche de pin, quoi. Oh. Voilà. Et ça, je vais essayer de le mettre le plus bas possible. Voilà, que ça cache pas la pomme de pin, quoi. Oui. Voilà, voilà. Donc, il y a cette idée-là. Depuis qu'il y a la perforatrice, ça m'a donné des idées. Donc voilà. Et plus ça qui est en train de sécher. Donc voilà. Je range ça. Hop. On met ça avec. Et voilà. Ben bon, j'en ai plein. Franchement, j'arrive à vous montrer. Après, mais après c'est bon, vous les avez déjà vus. Et celle-ci qui est belle mais que je peux pas découper autrement que en carré ou en rectangle plutôt. Voilà. Et l'autre question, c'est rien que pour le montage de la fleur. C'est pour ça que j'ai gardé. Bon.
s'arrêter là. Je crois que j'ai bien travaillé pour la journée. Donc, oui. Faut que j'essuie à nouveau. Donc je laisse s'égoutter toute la nuit et je remettrai le cache après. Oui. Oh, qu'ils sont méchants entre eux. Ben oui, mais arrêtez de vous battre, hein, Kira. Il est méchant, Domino. C'est un mauvais. Mais alors, de chez mauvais. Donc, je vous laisse là, je vous dis à plus. J'étais en train de réfléchir à peut-être des formats, des nouveaux formats. Mais bon, voilà quoi. À voir. Je vous dis à plus. Et...